tu le donnes pas. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on repart à l'aventure parce que la semaine passée, j'ai fait une vidéo. Je suis parti en vélo. On était parti direction nord. J'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de bons comebacks. Fait qu'à matin, on repart à l'aventure. Il est 6h du matin. Même scénario. Je suis pas mal content que vous avez aimé mon vidéo de la semaine passée. Regardez ça comment il fait beau. Il est bien de bonne heure, là. Il est 6h du matin, on est samedi. Mais la raison pourquoi je pars aussi tôt, c'est parce que aujourd'hui il annonce genre 40 degrés. Je pense qu'il annonce canicule, fait que je vais en profiter tout de suite. Dans mon dernier vidéo, tout le monde, on était allé vers le nord sur la bicyclette. Aujourd'hui, on va aller plus vers le sud. J'ai mis un chandail blanc aujourd'hui parce qu'il annonce vraiment chaud. Et voilà, on vient de rentrer sur la piste cyclable, mais cette fois-là, direction sud. Ça va directement à Montréal. Et après ça, j'ai aucune idée ça s'en va où, mais ça va directement jusqu'à Montréal, cette piste cyclable là. Là, je vais pédaler pendant un petit bout. Dans pas long, on va arriver à la ville de Saint-Jérôme. C'est une très belle ville, très festif l'été. Je pense que ça va valoir la peine d'arrêter et puis prendre des bonnes shots pour vous montrer la ville. C'est une des plus grandes villes. Dans la région où j'habite, il y a un centre-ville, il y a une cathédrale. Ça vaut la peine d'arrêter, fait qu'on va faire un petit stop à Saint-Jérôme. Encore une fois, ça fait vraiment du bien là, d'être dans la nature comme ça. Il y en a qui sont équipés. Ceux-là qui ont des bons vélos là, à vitesse, pas comme celui-là. C'est semi-ville, semi-trail. Mais ceux-là qui sont équipés pour aller vite là, ça vaut vraiment le coup parce qu'ils pédalent beaucoup moins que moi en ce moment. J'arrive près de la ville parce que quand on arrive proche de Saint-Jérôme, qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est la cathédrale. À ma droite, c'est le cégep de Saint-Jérôme. À gauche, c'est l'ancien petit bar où est-ce qu'on allait quand on était plus jeune. Mais il est fermé aujourd'hui. La fameuse cathédrale. Regardez ça. Je vais m'approcher, là, on va aller faire le tour parce que c'est immense. Ma grand-mère m'a expliqué que je pense que dans une cathédrale, il y a des évêques. Si je me trompe pas. Ma grand-mère me l'avait expliqué l'autre jour. Regardez comment il est immense. Ça, sur l'autoroute, on la voit de très loin. C'est pour ça que ce que je disais, quand vous arrivez à Saint-Jérôme, c'est la première chose que vous voyez, c'est la cathédrale. Je pense que ça valait la peine d'arrêter juste pour vous montrer ça. Mais il y a une légende avec cette statue-là. Je sais pas si on la voit bien. Ouais. Cette statue-là derrière moi, quand il y a de l'ombre le soir, l'ombre fait un effet de la mort. On dirait qu'il y a une faux dans les mains. Puis en avant de la cathédrale, il y a un grand parc, comme vous pouvez voir. C'est très cool. Ils ont investi beaucoup d'argent ici. Le curé Labelle. Fait que... C'était ça le petit parc qu'ils ont fait à Saint-Jérôme, en plein milieu de la ville. Je sais pas ça représente quoi, mais il y a des petites portes comme ça. Je vais passer sur la promenade, tout le monde, je vais aller vous montrer ça. C'est comme un petit chemin en bois sur le bord de l'eau. Ça fait tout le bord de l'eau à Saint-Jérôme. En partant, ça dit pas de vélo, c'est la rivière du Nord. Fait que tout ce chemin-là là, qu'on va faire là, tranquillement, je vais essayer de trouver un spot où est-ce qu'on la voit mieux que ça. Mais à ma gauche, c'est là. Et voilà. La rivière du Nord, les amis. Fait que c'est un petit chemin en bois comme ça que tu peux prendre à pied, pas en vélo comme c'est indiqué. C'est un petit chemin tout le bord de la rivière du Nord. Ne pas se baigner parce que très dégueu. Regardez ça, comment c'est beau. On va continuer notre chemin, tout le monde. Qui est derrière moi, c'est comme une petite aréna. Des fois, ils font des shows de spectacle. Comme je vous ai dit, Saint-Jérôme, c'est une ville festive. Fait que si vous voulez manger au restaurant, sortir entre amis, il y a comme plein de choses, plein de choix. Il y a une autre place à Saint-Jérôme qui vaut la peine d'arrêter aussi. Je vais aller vous montrer, dans le fond, l'ancienne gare. Ça, en arrière de moi, c'est Flambant Neuf. Je pense que c'est ça, la salle des spectacles. Si je me trompe pas, c'est la nouvelle salle des spectacles. Ça, ici, dans le fond, c'est l'ancienne gare. La vieille gare. C'est ça, c'est écrit là-bas. Qui annonce 40 degrés aujourd'hui, fait que ça là, ça va rouler toute la journée. Fait que ça ici, c'est la vieille gare. Saint-Jérôme, c'est plein de petites places de même, proche du centre-ville. Personnellement, j'ai pas grandi à Saint-Jérôme, c'est pour ça que pour moi, c'est quand même une découverte ce que je fais aujourd'hui. Avec le fameux clocher ici.
La grande tour, là, il l'appelle la tour de l'horloge. En tout cas, la ride de matin me fait vraiment du bien parce que cette nuit, moi puis mon chum Steven, on a streamé toute la nuit sur Twitch. Si vous ne savez pas encore, je vais plugger mon Twitch tout de suite. Allez voir ça, man. On stream souvent la nuit, puis c'est le fun parce que ça donne sur les heures des Français. Fait qu'allez voir ça, le lien est en bas. C'est Sam Vlog. Mon nom sur tous les médias sociaux, c'est Sam Vlog sur Snapchat, sur Twitch, sur YouTube. Regardez, ici, derrière moi, c'est le restaurant de la vieille gare. Ils ont gardé deux vieux wagons pour faire les restaurants. Personnellement, j'ai jamais mangé là. Ah, puis je pense qu'ils vendent de la bière. C'est comme un petit bar en même temps. Donc, on va continuer la route. Bye bye au parc d'eau. Amusez-vous dans l'eau, les jeunes. Il va faire chaud aujourd'hui. Bye bye, la vieille gare. Toute la petite famille dormait ce matin, fait que j'en ai profité pour sauter sur mon vélo. Puis tout le monde avait aimé mon vidéo aventure avec Sam la semaine passée. C'était comme ce matin, dans le fond, je suis parti en vélo, puis j'allais faire ma petite affaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez donc un like, partagez ça, abonnez-vous. Je fais toutes sortes de vidéos, la gang. Je fais des réactions, je fais des vidéos un peu comiques, je fais des vlogs. Je fais des vlogs toute seule des fois je fais des vlogs familiales. Notre petite fille, elle va super bien. Elle s'appelle Kendall, elle a bientôt 3 mois. Elle sourit beaucoup. Tout le monde, je vais vous souhaiter une belle journée. Demain, c'est la fête à ma grand-mère. Peut-être aujourd'hui, je vais aller me faire une petite coupe de cheveux, acheter un beau cadeau pour ma grand-mère, un beau bouquet de fleurs sûrement aussi. Moi, je vais continuer ma ride de vélo. Et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!